Troisième jour, deux défis dans The Division et son événement Hollywood. Aujourd'hui, éliminer des ennemis avec votre arme spécifique, détruire le point faible d'un ennemi protégé par un bouclier, aveugler trois ennemis d'un coup, mener à bien les primes, éliminer des ennemis spécifiés et enfin, comme d'habitude, il y aura une mission à réaliser. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est une prime. Comme ça, on aura un ennemi spécifié. On va privilégier un nettoyeur parce qu'on a des points faibles à détruire. Voilà, on va détruire le point faible. C'est fait. Ah, par contre, j'ai même pas l'impression que c'est la cible. On est tombé sur une escouade. Ça c'est le kill à l'arme spécifique. Toujours un petit peu en retard. Alors la bonbonne de gaz elle marche souvent pas très bien. Faut vraiment que ce soit nous qui la fassions péter si elle pète d'elle-même. Le mieux c'est vraiment le sac à dos des nettoyeurs qui ont du une espèce de gaz. Donc là ce qui est bien c'est qu'on va avoir fait l'histoire du point faible, arme spécifique, prime et également ennemi nommé spécifié. Problème quand il y a plusieurs escouades en même temps. Câble. C'est vrai que j'avais pas ce oublié, mais l'événement fait qu'on fait vachement de dégâts. Forcément, on consomme moins de balles. Et on a un peu l'impression qu'on leur envoie des chamallows. Voilà. La prime, l'ennemi spécifique. Qu'est-ce qu'il nous reste? Aveugler 3 ennemis d'un coup. Bon boulot. Et puis c'est tout. Aveugler 3 ennemis d'un coup. Donc il vaut mieux aller dans un endroit où vous avez plein de gens les uns à côté des autres. Je sais, on va pouvoir trouver ça. Alors, on va prendre un build. Compétences, Luciole, aveuglement et direction le parc d'attraction de Coney Island. Quand souvent il y a plusieurs ennemis à buter avec une seule grenade, j'aime bien aller ici parce qu'il y a beaucoup de monde les uns à côté des autres. Transmission ennemie interceptée. C'est encore mieux que le bunker fédéral, parce que dans le bunker fédéral vous avez des ennemis quand même qui sont ont tendance à pas être tous au même endroit, ils sont un petit peu le long du couloir. Donc voilà, ici on va pouvoir faire facilement et rapidement surtout les 5 aveuglements. Voilà, on a fait au moins une fois chacun des défis. Moi je vous donne rendez-vous demain pour le quatrième et dernier jour de défi.